Les systèmes de détection et de prévention de sortie de voie, le cas échéant, sont activés à une vitesse d'environ 60 km/h ou plus lorsque les lignes séparant les voies sont claires. Ces systèmes surveillent les lignes de tracé de la voie de circulation à l'aide d'une caméra située au-dessus du rétroviseur intérieur. Le système de détection de sortie de voie s'active lorsque la caméra détecte que le véhicule s'approche du côté gauche ou droit de la voie de circulation. Le volant vibre, le témoin de détection de sortie de voie clignote, alors au tableau de bord, et un carillon avertisseur retentit. Sur les véhicules non équipés de l'assistance ProPilot, vous pouvez activer ou désactiver les systèmes LDW et LDP en appuyant sur la commande d'aide à la conduite dynamique. En ce qui concerne les véhicules équipés de l'assistance ProPilot, appuyez sur le bouton de l'assistance ProPilot situé ici pour activer le système de prévention de sortie de voie. Le système de prévention de sortie de voie s'active dans les mêmes conditions que le système de détection de sortie de voie. En plus d'aider à alerter le conducteur à l'aide d'un carillon d'alarme et du témoin de prévention de sortie de voie au tableau de bord, le système exerce automatiquement une brève force de freinage afin d'aider à ramener le véhicule dans la voie de circulation. Pour activer ou désactiver le système de détection de sortie de voie ou le système de prévention de sortie de voie, appuyez sur le bouton « Menu » du panneau de commande, appuyez sur la touche « Aide à la conduite », à présent, appuyez sur la touche « Assistance au suivi de voie », appuyez ensuite sur la touche « On » pour activer ou désactiver les systèmes de prévention et de détection de sortie de voie. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.